إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد القائل صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله ما أعظم الأعمال أحب الأعمال إلى الله quelle est le plus grand œuvre que je fasse que je peux faire et qu'Allah سبحانه وتعالى il aime قال الصلاة على وقتها الصلاة على وقتها La prière en son temps. قال ثم أي قال بر الوالدين. La bienfaisance envers les parents. قال ثم أي قال الجهاد في سبيل الله. سنخصص الجمعة إن شاء الله للجهاد في سبيل الله. Ce terme a été galvaudé que les gens ont peur maintenant quand on parle de jihad. Le jihad, c'est l'effort. Le premier effort, c'est de se lever le matin à 5 heures du matin. Le premier jihad, celui qui ne peut pas faire le jihad contre lui-même, il ne pourra pas se battre contre une fourmi. Premier djihad, c'est le djihad contre le shahawat. Premier djihad, c'est le djihad contre son nafs. Nous, on en parle, on reparlera, inshallah. Laysa hadha hadithuna al-yawm, inshallah. Al-yawm, ayyuha al-ikhwa, al-rasul sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il nous enjoint à quoi ? La première chose, c'est de respecter le rendez-vous avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un rendez-vous important où Allah subhanahu wa ta'ala convoque les créatures pour salat. Wa qadha rabbuka an la ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Allah subhanahu wa ta'ala a décrété de n'adorer que lui. Juste après le décret de Tawhid, qu'est-ce qu'il nous demande ? De prendre soin, bienfaisance envers les parents. Fi kathir ibn al-ayat, Allah subhanahu wa ta'ala va nous expliquer, il va nous demander « Wa wassayna al-insana biwalidayhi » Alors, ils vous disent « Al-walidayhi mutlaq » Quand Allah subhanahu wa ta'ala parle de l'walidayhi, il parle dans l'absolu. « Qal al-insan » C'est-à-dire n'importe quel homme. Tous les hommes doivent avoir de la bienfaisance envers les walidain. Kana kafirin, am fasiqain, am asiyan, am. Quels que soient les parents. Les parents sont musulmans, sont pas musulmans, sont croyants, sont pas croyants. Nous leur devons bienfaisance. Allah subhanahu wa ta'ala, dans sourate Al-Ahqaf, il dit Wassayna al-insana biwalidayhi ihsana. On ne dit pas ihsana, on dit ihsana. Hamalatu ummuhu karhan. ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا Regardez bien, ayyuha al-ikhwa. هذه الآية, Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous avons enjoint à l'homme de la bienfaisance envers ses parents. Sa mère l'a péniblement porté, l'a péniblement accouché, et sa gestation et son sevrage pendant 30 mois. قال العلماء, dans cette آية, il y a un miracle coranique. Allah subhanahu wa ta'ala, depuis 14 siècles, il nous définit la période de gestation. Kif. Un jour, il y a Omar ibn al-Khattab, qui était le calife des musulmans. Il y a quelqu'un qui vient le voir et lui dit, je me suis marié, ça fait 6 mois, et je viens d'avoir un enfant. Et l'enfant, il n'est pas de moi. Enfin, Omar ibn al-Khattab, regardez, Omar ibn al-Khattab, il ramène les compagnons, il fait une réunion avec les compagnons. Il leur pose la question. Regardez, j'ai reçu quelqu'un qui vient de se marier il y a 6 mois. Il vient d'avoir un enfant. Et il dit que l'enfant n'est pas de lui. Où est le sahaba ? Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, il dit, « Ya amir al-mu'minin, inna allaha yaqul, Dieu dit, fi ayatin min al-Qur'an, fi surat al-Baqara, il dit, « Wal walidatu yurdi'na awladahunna hawlayni kamilayn, liman arada an yutim al-radah. » Et les femmes allaiteront leurs enfants pendant 2 ans complets pour celles qui veulent aller au bout de l'allaitement. 2 ans complets. Nulle obligation. Elle peut arrêter, elle peut le sevrer pendant combien de temps ? Au bout de 6 mois, au bout de 1 an, au bout de 1 an et demi, elle peut le sevrer. À condition de respecter la morphologie de l'enfant. Et dans cette ayah, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Hamluhu wa fisaluhu thalathuna shahra » Il dit, son sevrage, sa gestation, son sevrage, 30 mois. Enlever les 24 mois d'allaitement, combien il reste de gestation ? 6 mois. Le bébé, il est à lui. L'enfant, il est à lui.
Aujourd'hui, Yohel Ikhwa, avec tout ce qu'on est arrivé comme science, on vous dit que le bébé n'est viable qu'à partir de 6 mois. Et à 6 mois, le bébé est viable. À 5 mois, il ne vivra pas. À 6 mois, il est prématuré, mais il est viable. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala, yusina fil Qur'an bil walidayn. وكلمة الوالدين لما يذكرها الله سبحانه وتعالى ليست الأبوين قال العلماء لما يذكر الله سبحانه وتعالى الوالدين فهنا يشير إلى الأم دايغدون الآية الله سبحانه وتعالى ندي حملته أمه كرها ووضعته كرها il parle de الوالدين mais après il va nous parler de qui de la maman pourquoi pour te montrer à quel point la maman a peiné pour toi, à peiner pour nous, ayyuhal ikhwa. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de l'walidain, quand il parle de l'walidain, il y a une tendance vers la maman. Quand il parle dans le sens de responsabilité, il parle de l'abawain. Fi surat al-mira, fi surat al-nisa, quand il parle de l'héritage, il dit, wali abawaihi, li kulli wahidin minhum as-sudus. Wali abawaihi, il dit l'ab. Mais quand il parle de l'walidain, al-wilada min al-um. Donc il enjoint la personne à prendre soin de sa mère. جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حق الله ام حق الناس بصحبتي يا رسول الله قال امك ثم اي قال امك ثم اي قال امك trois fois il lui dit ta mère et après ton père ça allait me dire pourquoi on parle de ça oui pourquoi on parle de ça وذكر فان الذكر تنفع المؤمنين parce qu'il y a des mères qui viennent pleurer aujourd'hui leurs enfants et leurs enfants il dit à sa mère subhanallah elle me dit quand il faisait pas la prière Il était tranquille, il venait à la maison, c'est vrai, des fois il traînait dehors, des fois. Et maintenant qu'il fait la prière, il vient, il traite sa mère de tous les noms. Fasiqa, kafira, astaghfirullah al-azim. Et j'ai promis à la mère de faire une tribune sur ça, yuhal ikhwa. Men anta yuhal ibn, Allah subhanahu wa ta'ala yusik. Hal asilu ummi wa hiya kafira. Ja'a rajulun qala la rasul sallallahu alayhi wa sallam, hal asilu ummi wa hiya kafira. Qala na'am, sili ummaki, asma' C'est les ummah qui voient kafira. Ta mère, elle est chrétienne, tu la portes sur ton dos et tu l'amènes à l'église. Hada huwa islamuna, yuhal akh. Hada huwa islamuna. Mais vous voyez, les frères, comme nous n'avons pas compris notre islam. Les autres, ils pensent que c'est nous l'islam. Ben non, c'est pas nous l'islam. Parce qu'on représente mal, très mal l'islam. La semaine dernière, j'ai dit, dans le khutbah, j'ai dit qu'à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas le mur entre les femmes et les hommes. Ça a choqué plus d'un. Des gens sont venus me voir, ah bon ? Ben oui, ben il faut lire les frères. Iqra sir, iqra al-hadith. Omar al-Khattab, il essaye de régler, de mettre un terme à la dot qui s'était élevée. Qamat imra'atun, hamra al-khaddain, yaqul al-rawi. Al-rawi nous dit, il avait les joues roses. Comment il l'a vu, Rawi ? قالت يا عمر الله يعطينا وأنت تنزع منا الله يمدوني تشنوز عن لاف وآتيتم إحداهن قنطارا الله سبحانه وتعالى ينودي وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا si vous avez donné un quintal de dot لا تأخذوا منه شيئا vous n'avez pas le droit de prendre un centime de ce quintal comment ça s'est passé ça dans la mosquée du prophète Et dans les années 70, dans la mosquée du prophète, il n'y a pas longtemps, les hommes étaient devant et les femmes derrière. Mais c'est, j'invente rien, yuhal ikhwa. Mais avant de critiquer, va lire, va apprendre. Et c'est l'ulama. Pourquoi ? Parce qu'on est passé par asr al-inhitat. Parce qu'on est passé par un degré de... Yani, la ilaha illa, on ne considère plus nos femmes, on ne considère plus nos... Nos mamans ne considèrent plus. Man qala laka bi annaka anta yani tu dois assister au prêche et la femme ne doit pas assister. Man qala hada. Dans une mosquée, yuhal ikhwa, ils ont mis des caméras sur l'imam et des télés chez les femmes. Il y en a un, celui-là, il dit vous voulez espionner les femmes. Yani comme si pour regarder les femmes, on a besoin. La ilaha illallah. Nous vivons dans une société complètement ouverte et le gars, il vient regarder l'esprit tordu. Pour que les femmes puissent voir l'imam, il dit non, vous enlevez ça. La ilaha illallah. Min ayna laka hadha anta wa man takunu anta? Man takunu anta? Ja'at imra'atun ila Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qalat lahu ya Rasulullah.
ذهب الرجال بالأثر والعلم. Les hommes ont tout pris. Tu leur consacres du temps, tu leur donnes l'ilm, tu leur donnes le savoir. Et nous alors ? Mettez-vous d'accord sur un jour, wa'atikum. Mettez-vous d'accord sur un jour, wa'atikum. Moi je viendrai et posez-moi les questions que vous voulez. Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah, il dit la yukhadhu al-ilm illa min al-ulama. Ici on te dit non, il ne faut pas écouter l'imam. Hein. Ici, dans cette mosquée. Mais ne dirige pas sur nous comme un savant. Rahtalm d'abord. Et après, tu peux. Et l'ilm, il a des règles. Il a des règles. Bihtiram al-ulama, wahtiram al-ilm. Qulna ayyuha al-ikhwa, kalimat al-walidain, kalimat mutlaqa. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن على الإنسان أن يؤدي واجبه تلقاء ولا vis-à-vis de ses parents. Jamais on ne pourra rendre le jamil à nos parents. إلا dans quel cas إلا أن تجدهما, juste si tu les trouves esclaves et tu les libères. كان عبدين et tu les as libérés. Tu les as trouvés esclaves et tu les as libérés. Les ulama, ils vont plus loin dans ce hadith. Ils disent que l'esclave de quoi ? Bien sûr, il y a l'esclavage, la privation de liberté. Mais il y a l'esclavage de quoi ? Esclave de sa passion, esclave de l'argent, esclave de quelque chose. Il peut être le parent, le papa, la maman, elle peut être esclave de quelque chose, de charoua. Et si toi, tu as le tact, tu as le mérite, la faisabilité, tu as l'intelligence d'amener ta mère à délaisser cet esclavage, à délaisser cet esclavage vis-à-vis de quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, et bien tu as gagné le paradis. Anishkurli, Allah subhanahu wa ta'ala dit Anishkurli wali walidayk ilayya al-masir. Remercie Allah subhanahu wa ta'ala et remercie tes parents. Thumma yqul ilayya al-masir. Cheikh Shanqiti rahimahullah, il dit ilayya al-masir, ça veut dire quoi ? Je t'ai réservé quelque chose que tu ne peux même pas imaginer. Parce que le retour sera vers moi. Le retour sera vers Allah, ayyuha al-ikhwa. Pareil, on en parlera une autre fois, inshallah, l'yawm al-akhir. Les ulama disent, nous avons quatre vies, ayyuha al-ikhwa. Et la vie la plus courte, c'est celle-là. Nous avons quatre vies. Allah subhanahu wa ta'ala, ansha'ana min al-adam. Kuna fi sama' wa ansha'ana fi al-ard. Nous allons vivre combien ? 70 ans, 80 ans, 100 ans. Wallahi sanamut. Pour ba'd al-maut, hayatun barzakhiyya. Ila yawm al-ba'th. Donc nous allons mourir. Et ensuite, nous avons une vie dans le barzakh. Jusqu'au jour de la résurrection. Le jour de la résurrection, Allahu ya'lamu. Wa inna yawman 'inda rabbika ka alf sanatin ma ta'uddun. Min al-'ulama yaqul anna hadhak al-yawm va durer 50 000 ans. Hayat al-barzakh. Les gens qui sont morts, Sayyidina Uthman, Sayyidina Omar, qui sont morts en 640, ça fait 1400 ans qu'ils sont dans hayat al-barzakh. Autrement dit, la vie la plus courte, c'est laquelle ? C'est celle-là. Qu'est-ce qu'on en a fait ? Qu'est-ce qu'on en a fait de cette vie, ayyuha al-ikhwa ? La vie la plus courte. Donc celle-là, hayat al-barzakh, hayat al-nashr. Allah subhanahu wa ta'ala va nous ressusciter après notre mort. Et on va aller au jugement. Et donc il y aura un jour long. Ala al-kafirina asira. C'est un jour très long et difficile pour celui qui a été loin des préceptes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et après ça, une vie éternelle, ayyuha al-ikhwa. C'est ça notre masir, c'est ça notre aqida. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum, astaghfiruhu yaghfir lakum, innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah, salam rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. في تتمة الآية أيها الإخوة في سورة الأحقاف يقول الله سبحانه وتعالى بعد أن قال وصينا الإنسان بوالده إحسانا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, jusqu'à ce qu'il atteint toutes ses forces et qu'il atteint la quarantaine, il parle de l'homme. Il demande à Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, inspire-moi, que je te remercie, ya Allah.
et que je remercie les bienfaits dont tu m'as comblé, sur moi et sur mes parents, et que je fasse une bonne œuvre que tu agrées. Et puis surtout, agrée-moi ma descendance. Agrée-moi ma descendance, je me repens à toi, et je suis du nombre des musulmans. Le seul âge qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité dans le Coran, c'est Sen al-Arba'in, c'est la quarantaine, Sen al-Arba'in. Peut-être que la plupart d'entre nous sont vers la quarantaine, ou ont dépassé la quarantaine, peut-être un peu, ou ils sont dans la quarantaine. Regardez ce que disent les ulama sur la quarantaine, ayyuha al-ikhwa. هذا الدعاء دعاء مؤثر عن الشكر عما مضى والدعاء للآتي وإعلان الولاء لهذا الدين. هذا الدعاء tu donnes, tu remercies Allah subhanahu wa ta'ala pour ce qui est passé et tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala d'agréer ce que tu as fait et tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala que ton futur sera meilleur inshallah. قال العلماء من بلغ الأربعين كما قال القرطبي من بلغ الأربعين فقد جاءه النذير. Quand tu arrives à la quarantaine, tu arrives au flanc de ta vie, tu arrives au sommet de ta vie. Et tu vois un flanc et tu vois un autre flanc. Le flanc de ta jeunesse, le flanc de ton enfance. Et à 40 ans, tu vois l'autre flanc. Tu vois l'autre flanc, yani tu vas revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. وقد جاءكم النذير. Quand vous voyagez, ayyuha al-ikhwa, quand on voyage, allez, disons qu'on va faire une omra. Et on va faire une omra pour 15 jours. Quand arrive le 12e et le 13e jour, on est sur le retour. On prépare nos valises. Et quand on arrive à la quarantaine, on commence le retour. Ibda Ushib. Peut-être qu'il a commencé avant. On prépare nos valises pour le retour chez Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu arrives à la quarantaine, tu es étonné. Pourquoi tu es étonné? Tu es étonné parce que des jeunes et des moins jeunes t'appellent tonton, t'appellent ammo. Et tu te dis, oh, je suis devenu ammo. Oui, tu es devenu ammo. Maintenant, tu es devenu ammo et tu vas revenir vers Allah. Alors prépare. L'insan ladhi balagha al-arba'in wa lam yatub ila Allah buhdan lahu kama qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. إنه العمر الذي يكون الإنسان قادرا فيه على أن يفهم كل الفئات العمرية. C'est le temps, la quarantaine, c'est le moment, le temps, l'âge, où la personne peut comprendre tous les autres âges. في الأربعين يبدأ الشيء لم يكن قد بدأ. في الأربعين يلتفت لنا منهم في الستين فيقولون لنا هنيئا لكم ما زلتم شبابا. Les gens qui ont la soixantaine nous disent هنيئا لكم. On vous félicite parce que vous êtes encore jeune, subhanallah. ونحن نستغرب لهذا النداء. في الأربعين يلتفت لنا من هو في الستين ليقولون لنا هنيئا لكم ما زلتم شبابا فنزداد استغرابا. في الأربعين تبدأ أزمة نصف العمر. La crise de la quarantaine. يبدأ السؤال القاسي بالظهور أمام الإنسان. ماذا أنجزت في عملك؟ Qu'est-ce que tu as fait de ta vie؟ ماذا أنجزت لأسرتك؟ Qu'est-ce que tu as fait pour ta famille؟ ماذا أنجزت في حياتك؟ Qu'est-ce que tu as fait de ta vie؟ ماذا أنجزت في علاقتك مع ربك؟ Qu'est-ce que tu as fait pour ta relation avec Allah سبحانه وتعالى؟ كما قلنا الإمام القرطبي يفسر قد جاءكم النذير أن النذير هو بلوغ سن الأربعين. فإذا لم ترجع لربك وقد بلغت هذا العمر فمتى ترجع يا ابن آدم؟ Quand tu atteins la quarantaine, tu n'es pas revenu à Allah. Quand est-ce que tu vas revenir? سؤال يهز القلوب ويشغل التفكير. فالمشكلة أن الأيام مرت أسرع مما توقعنا. On arrive à la quarantaine, on voit que le temps passe plus vite qu'on le croit. فأثناء طفولتنا كنا ننظر لمن في الأربعين على أنهم شبعوا من دنياهم. Quand on était enfant, on voyait ceux qui ont atteint la quarantaine comme s'ils étaient rassasiés de leur vie. أما اليوم فنرى نحن أننا لم نحقق الكثير مما وضعناه لأنفسنا. Nous n'avons pas réalisé beaucoup de choses de ce que nous avons planifié pour nous-mêmes. وأن السنوات تجري بنا ولا تعطينا فرصة لكي نصنع ما نريد. Et que les années courent
et qu'on n'arrive pas à faire tout ce qu'on veut. في الأربعين ندرك القيمة الحقيقية للأشياء الرائعة التي تحيط بنا. ننظر إلى والدينا إذا كان بجوارنا أو أحدهما. الله سبحانه وتعالى يقول إما يبلغن عندك. ما قالش عندكم. Donc tu dis pas mon frère ou ma sœur elle va faire. عندك أنت. Responsabilité personnelle. S'il arrive à un âge avancé, chez toi, toi. Ma parle chez vous. Parle chez toi. الرسول صلى الله عليه يقول بعدا 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 رغم انف رغم انف قيل من يا رسول الله كسوى مودي كسوى الواد لم يجرك وعد الله قيل من يا رسول الله قال الذي ادرك والديه احدهما او كلاهما لي دو او بيان ان سول ولم يكون سببا في دخوله الجنه ايز ايتي با سا بيس ايز ايتي با سون اليبي ايز ايتي با سون سا ريزون بور كي رانتر بور كي رانتر او paradis. كذلك ننظر إلى الإخوان والأصحاب لما نصل الأربعين فنشعر بسرور غامر لوجودهم حولنا كما ننظر إلى تقصيرنا وأخطائنا فنرى أنها لا تليق بمن هو في الأربعين. Parfois on fait des erreurs quand on arrive à la quarantaine et on se dit c'est pas digne de nous. Pourquoi? Parce que nous normalement on a atteint l'âge de raison. Voyez, même les neuroscientifiques qui vous disent quand vous arrivez à la quarantaine, même à la cinquantaine, le cerveau est ectabile. Le cerveau il devient mûr. C'est pour ça que dans certaines constitutions, celui qui n'a pas atteint la quarantaine, il ne peut pas accéder à la fonction suprême. Il ne peut pas être roi, il ne peut pas être président. Pourquoi? Parce que là, ça ne va pas encore. Mazel, lam yaktamil. Hatta anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lam ja'athu ar-risala, quel âge il avait? La quarantaine, ayyuha al-ikhwa. Fi al-arba'in yabda'u al-hasad. On commence à récolter. نشعر حقيقة أننا كمن كان يجري تجري واليوم بدأ يخف من جريه ويلتفت إلى لوحة النتائج ليقرأ ملامحها الأولية وهو يعلم أن النتائج النهائية لم تحسم بعد إلا أن التغيير بعد الأربعين ليس بسهولة. تحية إلى كل من جاوز الأربعين أيها الإخوة. نسأل الله لنا ولكم العافية. نسأل الله لنا ولكم أن يحشرنا في زمرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم نسألك التقى والعفاف والغنى. اللهم اجعلنا من جندك من جندك فإن جندك هم الغالبون واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم. بارك الله.